Bonjour mes chers collègues. Je m'excuse du retard. J'ai bien fait d'arriver en retard, parce que ça vous a permis de faire la récréation avant l'heure. Bon, bonjour mes chers collègues, je m'excuse de ce retard dépendant de ma volonté. Voilà. Je me suis excusée auprès de la rapporteure par SMS, donc j'avais l'esprit tranquille par Madame Orliac, enfin qui va devenir, je pense, rapporteur du texte. Bien, nous allons commencer nos travaux donc de reprise après la suspension d'une semaine pour une période qui va être, en tout cas dans une première période jusqu'à la prochaine suspension, c'est-à-dire le 10 avril, une période qui va être riche en débats, avec le texte qui nous arrive sur la réforme du Code du travail. Alors, le texte va être simple. Le gouvernement présente le projet de loi, a priori, le jeudi 24 mars et non pas le mercredi, puisqu'il y a un empêchement du Premier ministre. Donc c'est le 24 mars. Nous nous en saisirons en commission théorique, hein, évidemment, puisqu'il faut quand même confirmer que c'est bien présenté en Conseil des ministres, ce que je crois. Donc Conseil des ministres, le 24 mars. Nous nous en saisissons la semaine en commission, la semaine avant l'interruption des travaux, donc la semaine du 4 au 10 avril. Ensuite, vous avez deux semaines de suspension de travaux. Je ne pense pas que vous partiez deux semaines en vacances tout de suite. Donc ça veut dire que vous aurez tout le temps d'écrire vos amendements pour la séance si des fois vous n'aviez pas eu le temps pour la commission, bien que je n'aime pas cette méthode. Donc je ne voudrais pas entendre « nous n'avons pas eu le temps de travailler ». Pour le coup, vous aurez eu le temps de travailler et moi je m'en félicite. Alors, il n'y a pas de commission spéciale. J'ai tout fait pour que vous soyez protégés dans vos spécificités de travail et donc c'est notre commission qui sera saisie au fond sur le texte. Voilà. Nous allons d'abord désigner un rapporteur ou une rapporteure, en l'occurrence ce sera une, sur une... Alors je ne peux pas parler plus fort là pour le coup. Si vous vous taisez, je pourrais avoir un ton de voix plus apaisé. Nous démarrons donc notre commission par l'examen d'une proposition de loi qui vise à prolonger la période légale d'interdiction de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour les femmes à l'issue de leur congé maternité. C'est une proposition de loi qui émane de nos collègues du groupe de RDP, donc radicaux de gauche, pour faire court. Et donc, j'ai reçu la candidature de Madame Dominique Orliac. Il n'y a pas d'opposition. Madame Orliac est donc rapporteure de ce texte. Je l'invite à me rejoindre. Pierre. Alors, avant de donner la parole à Madame Orliac qui s'installe, je vous précise que cette proposition de loi sera examinée en séance publique le jeudi 10 mars, donc dans le cadre de la niche du groupe, je le cite complètement, radical, républicain, démocrate et progressiste. Je vous indique également que vous trouverez en distribution l'avis du défenseur des droits sur cette proposition de loi, avis qui nous a été communiqué ce vendredi. Moi, je pense qu'on ne peut que se féliciter de cette initiative du défenseur des droits qui montre l'attention que ce dernier porte aux travaux parlementaires et qui ne peut qu'enrichir les débats que nous allons avoir. Madame Orliac, rapporteure, je vous laisse la parole pour nous présenter votre texte qui poursuit un objectif particulièrement important, le renforcement de la protection de la femme enceinte, de la femme qui a de fait accouché. Et donc, dans une période où, quand on est en crise, les femmes sont souvent les premières touchées par ces crises sociales, économiques et sociales. Madame la rapporteure, je vous donne la parole.